Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Et voilà, encore une fois, le sport qui monte à la tête d'un humain. Voilà, on n'en parle pas assez, hein. Mais le sport, c'est une drogue, hein. Regarde-le. Tu peux pas me dire que cet homme, il n'est pas drogué. Il est drogué de ouf. Regarde-le, il a mis une chaîne de plus 50 kilos, hein. Et le mec, il s'est dit, je vais aller soulever une voiture avec la chaîne de 50 kilos. Le mec, il réussit à soulever la voiture, mais personne lui a expliqué que la voiture, c'est fait pour conduire. Que la voiture, ce n'est pas un banc de traction, une barre de traction, ce n'est pas un banc de développé couché, ce n'est pas une salle de sport. Tu vas nous expliquer que le volant, c'est fait pour muscler les bras, hein? C'est ça que tu vas nous dire? Et quand tu changes les vitesses, c'est pour muscler ton avant-bras, et que quand tu accélères et que tu embrayes, c'est pour les jambes et les cuisses, hein? Et les mollets et je sais pas quoi, hein? Écoute-moi, une voiture, c'est fait pour conduire, tu vas d'un point A à un point B. Tu comprends? Hein? C'est pas fait pour être soulevé. Mais qu'est-ce qui t'a appris à vivre comme ça? T'as pas un papa, une maman? Hein? Tes parents, ils sont fiers de toi, là? Donc là, on parle à ton père, il va dire, ouais, mais écoute, mon fils, il sait tout soulever. Hein. Canapé, voiture, vélo, il soulève tout. C'est un bon souleveur, il a réussi sa vie. C'est ça que tu vas nous dire? Hein? C'est quoi ta prouesse? Tu soulèves des voitures et voilà, et tu postes ça sur les réseaux. Tout ça pour les likes. T'as pas de facture à payer? Hein? Mais non, mais ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de facture. Il n'a pas de facture. Si tu as des factures, tu t'amuses pas à soulever des voitures comme ça. Ouais, moi, je suis soulevé des voitures, voilà. Après, tu rentres chez toi, tu payes tes factures. Non, là, c'est la folie. Et quand je vous dis que la drogue, ça monte au cerveau, ça monte vite au cerveau. Regarde, le sport qui monte au cerveau de quelqu'un, voilà. Regarde, la nouvelle drogue, le sport. Voilà, c'est ça que je t'ai dit. Là, il y a des fous qui sont là dans les salles de sport. À cause d'eux, on n'y va plus. Maintenant, ils sont dans la rue en train de soulever des voitures. Mais c'est du grand n'importe quoi. Lui encore, ça doit être encore un Américain. Voilà. Ça doit être encore un Américain. Ça, c'est un Américain. Tu vois? Regarde-le. Ouais, il est crazy. Bien sûr, mais oui. Toujours les Américains, ils sont là. Ouais, démocratie, on va vous expliquer comment c'est la liberté. On va tout vous expliquer. Alors que leur population, là, hein, c'est des malades mentaux. Regarde, regarde là, regarde-le. Il fait partie de la population américaine. Et tu sais quoi, lui là, il a le droit d'être armé. Oh là là, mais écoute, écoute ce que je te dis. Ce mec a le droit de porter une arme. Tu vois? Et après, ils sont là. Ouais, plus jamais, il faut plus qu'il y ait des fusillades. Mais regarde, comment tu peux donner des armes à des gens comme ça? Hein? Le mec, il se dit, il peut soulever une voiture. Tu lui donnes une arme. Tu penses qu'il va faire quoi avec son arme? Ouais, ouais, je peux abattre un arbre ou pas? Vas-y, tire sur l'arbre. Ouais. Oh là là, l'arbre, il n'a pas bougé. Oh, allez, tire encore. Ouais, vas-y. Ouais. Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est comme ça aux États-Unis. Là, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de tirer sur des arbres. Parce qu'ils se disent qu'ils veulent tuer les arbres. Tu vois? C'est du grand n'importe quoi. Je comprends même pas comment ça se fait que nous, on est là, on dit, ouais, les carriers, yeah. Non, non, on devrait leur dire, viens, viens, on va t'expliquer un petit peu comment c'est la vie, on va te faire une petite lecture. Voilà. Écoute, ça, c'est pas bien. Ça, moyen. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas respectueux. Tu vois, c'est comme ça qu'on doit les éduquer. Mais non!